It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Pour se rappeler l'amitié qu'on avait avec Francine. Hein, vous vous souvenez de Francine? Oui. Hein, vous avez vécu avec elle. Vous allez à la messe avec elle. Et puis, quand Francine elle est devenue malade, vous savez qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé de revenir à la maison. Oui. Et alors, comme communauté, on a commencé à penser peut-être on vous a demandé d'abord si vous pensiez que vous étiez capable de vivre avec Francine qui était malade. Qu'est-ce que vous avez dit? L'aider avec elle. Vous étiez prête à l'aider. Mm-hmm. Mais plus que ça, vous étiez aussi prête à prier pour elle, avec elle. Mm-hmm. Francine a dit, moi j'aimerais ça vivre mes derniers mois à la maison avec mes anges. Oui, c'est ça. Ma famille de l'Arche. Oui. Et on a dit oui. Tous, on a dit oui. Et puis qu'est-ce que vous avez commencé à faire? Francine, comme elle était malade, elle ne pouvait plus aider beaucoup. Elle pouvait être aussi responsable des choses, puis faire beaucoup de choses pour vous. Mais vous autres, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai demandé de parler avec Francine, parce qu'elle était bien malade, mm-hmm. puis je me rappelle à tout ça. Est-ce que tu faisais quelque chose de spécial pour Francine? Oui. Qu'est-ce que ça fait? J'ai amené son linge en haut, puis j'ai fait beaucoup de affaires pour elle. Mm-hmm. Apporter des chips et de la bière. Un cottage. Un cottage. La maison ici, qu'est-ce que tu faisais pour Francine? Quand elle ne pouvait pas faire quelque chose, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu préférais le souper? Non. T'es sûr? Non. Tu n'allais pas y porter le souper des fois en haut? Non. Quand elle était malade, elle ne pouvait pas descendre? Qu'est-ce que tu faisais dans la maison? Elle n'allait pas descendre. Elle t'a pas descendre. Des fois, elle ne pouvait pas descendre, des fois, hein? Elle était trop malade. Tu sais quoi, il est arrivé, il est rentré, puis l'avant, il est tout chargé en haut. Mm-hmm. On a parlé de ça dans les nions. On a parlé de ça, nous autres, dans la maison. Ah oui. Oui, on en appelle à ça. On parlait pas. Des fois, tu y apportais de la nourriture. Un peu d'air. Tu sais, tu pensais d'y ramener de la nourriture, des fois. Tu sais, quand tu allais au programme de jour, puis il y avait des repas, tu disais, est-ce que je peux avoir quelque chose pour Francine? Tu te souviens de ça, hein? Francine était tellement contente que tu penses à elle. Surtout à Noël, tu as parti pour la fête de Noël avec un de tes programmes jour, tu as rentré avec quoi? Toute une assiette. Elle a porté des. Du souper, il n'y avait pas de Noël. Il y avait quoi sur l'assiette? Il y avait le dinde. Et puis après, il y avait une petite assiette à côté avec quoi? Dessert? Le dessert pour elle. Elle a beaucoup apprécié ça. Elle n'en revenait pas que tu pensais à elle, hein? Elle était très surprise. Oui. Puis qu'est-ce que tu faisais en bas, puis que Francine appréciait? Qu'est-ce que tu faisais en bas? Tu faisais son linge. Puis qu'est-ce que tu faisais avec son linge? Je pliais. Et? Montais dans sa chambre. Tu as monté dans sa chambre, son linge? C'est une façon de lui montrer que tu l'aimais, puis que tu pensais à elle, hein? Est-ce qu'il y avait même des fois, tu as changé ses draps sur son lit? Oui. Oui? Tu as changé les draps des fois aussi? Ah, mais non. Bien sûr. Moi, je prends son linge. Aussi, tu l'apportais? Moi, je pense qu'une petite chose que j'aimerais dire aussi par rapport à ma relation avec Francine, autant.
on était relativement amis parce que ça faisait longtemps qu'on se connaissait, mais je pense que cette amitié-là s'est beaucoup approfondie quand elle m'a laissé entrer dans son intimité, dans sa façon d'être honnête avec elle-même, des choses que j'ai beaucoup appréciées et qui a montré beaucoup de confiance. D'abord, elle a fait confiance à la communauté qu'on pouvait l'accompagner quand on a dit oui, mais aussi qu'elle nous a dit tout de suite, on était libre de dire la vérité avec Francine, parce que tout le monde a dit, moi, je ne vais pas guérir. Alors, de ne pas me faire croire, de ne pas faire croire aux autres que je vais guérir, mais de juste d'être là pour moi. Et moi, c'était très... c'était une leçon pour moi de confiance qu'elle me faisait. Et il a dit quelque chose qu'il n'avait pas guéri, elle veut vivre. Bon, Francine. Elle ne voulait pas la faire depuis qu'on prend des photos. Hein. Non, dans elle. Oui, c'est vrai qu'elle voulait plus les photos. Mais elle était très. Et puis ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle n'a pas changé. Jusqu'à la fin, elle était Francine. Ah oui. Et ça, c'est un beau cadeau. Hein? Elle essaie encore de nous dire un peu comment faire les choses et puis comment elle essaie de nous aider. Elle était toujours de bonne humeur, même si elle avait la difficulté à respirer. Ça, c'est, je me souviens. Elle sent de l'humour toujours. Tu sais, quand elle se choquait, elle disait, Dieu m'a oublié, là. Puis on lui disait, ben, il veut t'apprendre la patience. Elle veut dans le trou. Hein? Quelqu'un veut aller dans le trou. Quel trou de quoi, quelqu'un qui sont morts. Au cimetière, tu peux dire? Oui. Oui. Au cimetière maintenant, oui. Puis tout connecté. On est allé lui dire au revoir. Mais oui. À une bonne amie. Yeah. Her sister was there. That's right, her family, her sister. Who else was there? Zachary? Who else was from her family was there? Yeah. Zach and Saul? Yes. Her two boys? C'est très important pour elle. Hein? Oui. C'est très important aussi qu'ils vous connaissent. Hein? Pour elle, c'est important. Ce que j'ai trouvé beau avec Francine, c'est qu'elle a dit au revoir à maman de Catan. Ses fils sont venus ici au foyer, puis Rodolphe. Oui, elle est contente de voir encore à tout le monde. On a vu ses parents. On a parlé. Sa soeur, puis son beau-frère, puis ses neveux nièces. Ses fils, oui. Oui. Francine, c'était très important de développer. Je pense qu'elle pour elle-même aussi, de laisser. C'est quelqu'un de très fier, Francine, puis qu'elle a laissé prendre soin d'elle. Ça, je veux dire. C'est qu'elle a tout de suite accepté qu'on prenne soin d'elle. Et je pense que c'est pas juste pour nous, mais je sais que pour Marchand et Marie-Josée aussi. Je pense que la relation a changé avec Francine à ce niveau-là. Moi, la mienne a changé beaucoup au niveau de sa maladie avec Francine. Elle s'est apporté beaucoup et je pense que pour moi, c'est une façon aussi de bien vivre jusqu'à la fin. Parce qu'elle est tellement restée elle-même encore, comme je répète. Je trouve ça assez extraordinaire. C'est une leçon de vie, justement. Comme tu dis, Marchand, c'est une leçon de vie. C'est pas une leçon de mort, c'est une leçon de vie. Elle m'a fait aussi parce qu'elle gardait toujours un peu le contrôle de la maison. Même quand elle était malade dans sa chambre, plus capable de descendre, elle a laissé sa porte ouverte pour nous dire « Ah, fais ça pour le souper » ou « Il faut mettre ça au four » ou « Il faut faire ça » Elle nous a donné des choses à faire. Oui. Mais je me rappelle souvent, on a fait la prière avant de souper, avant de manger. Et Francine est en haut avec sa porte ouverte. Et dès qu'on a fini, elle a dit bon appétit. Mais c'est malade. Elle est avec nous tout le temps, oui. Elle a gardé la TV. Avec vous autres? Des fois, tu l'as dans sa chambre. Oui. Elle a-tu écouté la télévision avec elle des fois dans sa chambre? Non. C'est elle qui a. Francine est seule dans sa chambre. Elle vous disait bonsoir avant que vous alliez vous coucher. Oui. Oui, elle était là, puis elle venait vous dire bonsoir. Oui, même si elle ne pouvait plus descendre. Laure, aimerais-tu raconter le dernier soir quand tu es allée chercher Robert et John? Tu te sens pas à l'aise de raconter ça? Même si on ne te voit pas? Ah ben, d'accord. Non, mais c'est ça, je vais raconter.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu te souviens le dernier soir quand vous étiez de côté en train de manger? Tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le... Elle n'était pas bien tombée. Elle n'était pas très bien. Elle a tombé. Non, elle n'était pas bien tombée. Elle ne pouvait plus s'en aller. Elle tombait pas. Non, c'est quand ça devait. Moi, je ne pouvais pas la relever. Parce qu'il y avait tous les films, puis il y avait la machine, puis toute seule, je n'arrivais pas à la relever. Alors, j'avais demandé à Laure d'aller chercher quelqu'un de l'autre côté. Laure est venue, on était à l'autre côté, Laure est venue. Elle dit, on a besoin d'aide pour Francine. Elle a bien annoncé, elle était très confiante et claire. T'es sur une mission pour trouver l'aide et t'as bien, ben oui. T'as bien trouvé. Une chance que tu es là parce que toute seule, je pense que j'aurais fait. C'est ça. Ben, parce que Francine n'était pas bien, puis elle avait commencé à saigner. Toi, elle n'était pas bien, elle était bien pas sur malade. Ouais. Est-ce que tu l'appelles qui? Tu as trouvé qui est venu aider ici? Deux grands hommes. C'est pour John et Robert. C'est les deux qui sont venus pour aider Francine. De l'aider à retourner son. John était là. Et puis après ça, tu as aidé, tu te souviens, après ça, il y avait le retard, puis tu as aidé à. Quand Francine, on l'a installé dans son lit, on est revenu souper ici toutes les deux. On a demandé à Francine si elle voulait manger, mais elle ne voulait pas manger. C'est sa dernière journée. Elle est restée avec vous jusqu'à sa dernière. Oui, oui, oui. C'est le dernier petit moment. Alors, elle a eu la chance, le privilège de rester chez elle jusqu'à la fin. Puis je pense que c'est un peu tous nous autres, puis il y a d'autres personnes aussi qui ont permis. Dans ma famille. Exactement. Tu as raison, Louis, c'était vraiment sa famille. Hein? Oui, c'était ici. Avec elle. C'est une grande affaire. Grâce à vous, toi, qu'elle veut rester ici. Parce que si vous aviez dit non, si vous aviez dit qu'on trouve ça trop difficile, d'aider Francine, Francine aurait accepté de ne pas rester ici. C'était difficile pour être resté. Mais c'était grâce à vous, au support des assistants qui étaient dans le foyer, qu'on a pu soutenir Francine puis l'aider à vivre ces derniers. Je pense que c'est grâce à vous. C'est pas pour rien qu'elle vous appelait mes anges. Hein. Je pense qu'elle savait très bien. Elle a dit toutes les anges. Oui, on a fait tout ça ensemble. On est dans tout ensemble après ça. Mm-hmm. Oh, je me sens qu'il y avait beaucoup des années, Francine a pris soin de vous. C'est fini, votre relation, c'est fini. On était baignés à college. À vous amener au soleil, vous baignez les filles. Oui, comme le poisson. Vous aviez ça. On a des photos de ça, là, on était tout dans l'eau en train de. Beaucoup de plaisir. Il y avait des poissons dedans. Dans l'eau? Oui. Qui vous passent entre les jambes? Non, mais qui? Ma soeur t'a montré à nager, Marine? Oui. Qu'est-ce que vous avez les mercredis soirs? C'est vrai. Les mercredis soirs, vous avez une tradition avec Francine. Est-ce que vous faites quelque chose aux télévisions? Les poules. Ça, c'était sacré. Tout le temps, regardez la poule. Oui, puis Francine était aussi que c'était vous acheté des billets là, de tirage. Elle a toujours acheté des billets pour vous autres. Et après, quand elle est tombée trop malade, elle ne pouvait plus sortir, elle demandait à nous d'aller acheter des billets. Et comme ça, vous avez regardé les coups en bas, Francine a regardé en haut, vous avez toujours vos billets. Ensemble, c'est vrai, ça. Elle a gagné plusieurs fois. Vous avez gagné? Oui, vous avez gagné en plus. L'argent? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez avec l'argent, Janice? Vous sortiez ensemble au restaurant? À Tim Horton. Oui, Mme Sarah, elle a joué. Les quatre ensemble. Je me la peine. Vous faites ça. Ah oui, 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 oui. Oui. Ah oui. Est-ce que Francine, Harvey, c'est quoi aussi? C'est généreux. Oui. Mais je me la peine ça. Vous payez des restos. Oui. C'est bon. My God. À chaque événement spécial, que ce soit l'Halloween, elle vous laisse un petit, des bonbons, que ce soit Pâques, à Noël, elle vous achetait des cadeaux, puis à Pâques, elle vous préparait quelque chose, une nappe, puis avec des chocolats, puis à votre fête, oui, puis c'est préparait. Ça, qu'est-ce qu'elle vous faisait quand c'était à votre fête? Qu'est-ce qu'elle faisait, Francine? Elle achetait un gâteau. Un gâteau, puis qu'est-ce qu'elle faisait le matin? Elle soulevait les gâteaux. Puis le matin, il y a quelque chose de spécial le matin. Qu'est-ce qu'elle faisait le matin? Elle ne préparait pas, donc c'était déjeuner. Elle était des gâteaux. Non, mais il n'y a pas un déjeuner spécial. Qu'est-ce qu'elle faisait-tu? Pancake. Ah,
vous préparez un petit déjeuner? Oui. Oui. Ouais. Ma fête. De toute la dernière, les gâteaux, les enfants. Des fruits. Ah, des fruits. J'ai fait hier. J'ai fait hier. C'était frayant. Les enfants sur la table, tout partout. C'était agréable, vous aimiez ça. À la fin, c'est un peu nous autres qui faisaient ça pour elle. Oh boy, c'était dit. Pour elle. Et je pense que les derniers mois, ce qui était aussi. Tu sais, souvent, dans un foyer de l'Arche, le responsable de foyer fait beaucoup. Beaucoup. On a appris avec Francine, même si elle en faisait moins. Les autres autour du foyer ont pris plus de responsabilités. Puis Francine était juste là. Puis elle nous aidait un peu à nous rappeler des choses à faire, mais elle n'avait pas les responsabilités. On a marché. Tu as aidé à marcher? Non. Nous autres, à la maison ici, on a pris des marches. Oui, avec Francine. Ah, OK. Oui, vous allez faire prendre des marches le soir. Oui. Et ça, c'est vrai, je me souviens. Oui. Elle était un petit peu plus relaxe à jaser, à raconter son histoire des fois, parler de ses enfants. Hein? Mm-hmm. Qu'elle aimait bien manger, oui. Même si elle était malade. Oui, elle a regardé ses intérêts jusqu'à la fin. Et je pense que c'était, malgré que des fois, dans la vie de foyer ou de communauté, c'est pas toujours facile, on ait pu faire ça pour Francine. Je pense que ça parle beaucoup de. On ne cherche pas nécessairement la vie communautaire juste en mots, mais qu'on essaie de le vivre. Et c'est assez exceptionnel ce qu'on a fait. On s'en est pas rendu compte, mais quand je raconte ça à plein de monde, il n'en revenait pas. On a réussi à faire ça. On a réussi à dire oui à Francine et de l'accompagner jusqu'à la fin. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.